Bonjour, aujourd'hui je vous propose un pain aux bananes, recette australienne. Pour le faire, il va vous falloir 500 g de farine, une demi-cuillère à café de bicarbonate, une demi-cuillère à café de sel, 60 ml d'huile, 125 g de yaourt, 2 œufs, 125 g de sucre, 250 g de bananes écrasées, 2 cuillères à thé de levure et un sachet de sucre vanillé ou de l'extrait de vanille. Un petit récapitulatif, mettez à préchauffer votre four à 180 degrés. Donc là, nous allons mélanger le sucre avec l'huile. Ensuite, nous allons rajouter les œufs. Donc un par un. Le deuxième œuf. Et la banane écrasée. Là, nous rajoutons le sucre vanillé ou l'extrait de vanille. Nous tournons bien. Quand c'est prêt, nous allons prendre un autre saladier. Et là, nous allons mettre la farine, donc les 500 g, le sel et le bicarbonate. Nous allons bien tourner, donc on remue bien. Et nous allons rajouter les 2 cuillères à thé de levure. Alors c'est de la poudre à pâte sur la recette. Donc là nous allons utiliser le yaourt. Donc, dans notre préparation qui est liquide, nous allons mettre en 3 fois la farine et en 2 fois le yaourt. Donc on met la farine, on mélange. On met le yaourt, donc la moitié du yaourt, et on mélange.
et on recommence. Donc en deux ou trois fois. Donc c'est une pâte qui est quand même assez épaisse, ça finit en pâte à pain, un peu plus molle que la pâte à pain, mais ça fait entre la pâte à gâteau et la pâte à pain. Donc on rajoute le reste de yaourt. On tourne bien. Là, nous allons mettre le restant de farine et nous allons bien tourner, bien mélanger. Donc, quand c'est bien mélangé, comme je vous disais, ça fait une pâte assez épaisse. Dans un plat que vous avez beurré et mis un papier sulfurisé au fond, vous allez mettre la pâte. Et ça va partir pour une heure à 180 degrés. Il faut qu'il soit bien doré. Donc vous voyez, ça fait vraiment une pâte entre la pâte à gâteau et la pâte à pain. Donc on essaye de lisser, de bien mettre partout dans le plat. Et voilà, ça part pour une heure à 180 degrés. Donc quand c'est cuit, le voilà, il est tout beau, bien doré. Là, vous allez le laisser reposer 15 minutes pour qu'il refroidisse un peu et après on va le démouler. Quand il s'est reposé pendant 15 minutes, nous allons prendre un couteau et faire le tour pour pouvoir le démouler très facilement. Regardez, il se défait tout seul. Hop, vous tournez, vous enlevez le papier sulfurisé et voilà votre pain qui va refroidir encore un peu avant d'être dégusté. Voilà mon pain à la banane, je vais le découper devant vous. Alors c'est une recette qui est australienne. Nous on a adoré pour le matin, c'est génial. C'est un pain qui est super pour le matin. Vraiment très bon. Et voilà mon gâteau. Regardez comme il est beau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez. Et super, merci à vous. À bientôt.